Cinématique. Mais si j'utilise Citran. Citra là. Ah, trop bien, on voit tous les personnages. C'est là, Madame Madeleine. Elle a mis son lunette à la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est beau! Ces cloches sonnent le début d'une nouvelle ère. Elle, c'est Rose Mortem, elle. Merci, Eva. Je trouve qu'elle était mieux avec ses oreilles de chat. Très bien, nous sommes prêts. Je vous en prie, allons-y, Monsieur Garnett. Ah, son petit chien! Il est. Parce que c'est sur le Discord. Merci, on voit sur quoi je suis. Non, on voit pas le jeu. Au revoir, Monsieur Novella. Bon voyage. Revenez nous voir bientôt. Nous n'y manquerons pas, Aria. Bonne chance à vous tous et au revoir. Au revoir. Monsieur Wright, je savais que je pouvais compter sur vous. Nous n'aurions jamais pu résoudre cette affaire si nous ne nous étions pas opposés. C'est vrai. Moi aussi, je croyais en vous, Monsieur Layton. Et c'est pour cette raison que nous avons réussi à percer les secrets de Labyrinthia. On passera vous voir la prochaine fois qu'on viendra en Angleterre. Oui, je vous ferai visiter Londres. Pour le coup, on est sur la fin fin. La fin de l'histoire. J'ai oublié les grandes, les belles images en grand. Je t'en verrai. Ouais, il me semblait que la fin était un peu plus hardcore que ça, mais en le refaisant, ça va. Ah mais c'est un animateur DS, pas 3DS sur le Discord. Bah sur le DS, y a, sur le Discord, y a rien du tout là. Sur le Discord, tu vois juste que je suis en train de streamer. Ça, je comprends pas ce que tu vas me dire. Il va passer le lien. Ah pour le... Ah oui, le lien, c'est un lien émulateur DS, pardon. Ah oui, putain, j'étais pas du tout... sur ce que vous parliez. Oui, oui, c'est un lien pour l'émulateur DS et pas 3DS. Mais après, ouais, l'histoire est sympa de celui-là. Ouais. Après, c'est vrai que dans celui-là, il y a beaucoup de blabla, je trouve. Ça parle vraiment beaucoup pour pas dire grand-chose. Mais bon. De toute façon, les histoires, elles sont toujours plaisantes. Hein. Alors, de toute façon, que ce soit dans les Professeurs Layton ou dans les Phoenix Wright, les histoires, elles sont toujours trop bien. Hein. J'ai les graphismes de Layton Wright, ouais. Ouais, y a pas beaucoup d'énigmes, ouais. Après, j'en ai passé plein. Et il y a 70 énigmes en tout. Après, pour l'anecdote sur le jeu là, en fait, les développeurs des deux équipes, donc les développeurs de Phoenix Wright et les développeurs de Professeur Layton, ils ont eu beaucoup de mal à s'entendre. Mais finalement, ils ont quand même réussi à sortir un jeu. Et du coup, il y a peu de chances qu'ils en fassent un second. Vous savez, professeur, j'ai l'impression que je viens de finir de lire une longue histoire. Oui, je vois ce que tu veux dire, Luc. C'était une drôle d'expérience. Mais c'est normal, il y en a 150, peut-être. Les autres habitants de Labyrinthia. 120, 130, j'aimerais beaucoup leur rendre visite. Même si je préférerais éviter de me faire absorber par un livre pour m'y rendre.
Si nous y allons, nous devrions dire à Giovanni de nous accompagner. Oui, je suis tellement soulagée qu'il est complètement guéri de ses blessures. Mais je crois qu'il était un peu vexé que vous ayez résolu tous les mystères, professeur. Moi, j'ai acheté une 3DS juste pour ce jeu. Peut-être. Mais tu sais, Luc, nous ne les avons pas résolus tout seuls. Le crossover que j'ai toujours rêvé, quoi. Nous avons réussi. Mais sans l'aide de nos amis américains, cela n'aurait pas été possible. Oui, c'est vrai. Je me demande ce qu'ils font à présent. Ils ont dû reprendre le travail. Oui, j'en suis certain, Luc. Bien. Préparons-nous à présent. Il y a une nouvelle affaire qui requiert notre expertise, Luc. Avec plein de nouvelles énigmes à résoudre. C'est vrai, je corrige mon message, pas prochain, il y a un E à la fin. Prochain, à l'instant. Alors, vous donnez votre langue au chat, monsieur Wright ? Ah, pareil, la voix d'Hunter, elle est dégueulasse, quoi. Vous êtes toujours en vacances, on dirait. Le soleil anglais vous est-il monté à la tête ? T'as une idée, Maya ? Pas vraiment. Si seulement le professeur était là. On n'a plus trop le choix, là. Faut que tu utilises ton sortilège préféré, Nick. Mon sortilège préféré ? Mais t'es à la ramasse aujourd'hui ! Quand tout semble perdu, tu l'utilises toujours pour renverser la situation. Ah, j'ai pigé ! J'ai qu'à fermer les yeux et prononcer l'incantation. Heureusement, pas besoin de sceptre pour ce sortilège. Trêve de bavardage, Wright. Votre sortilège me manquait presque. Alors allez-y. Allez, respire un bon coup et vas-y à fond les ballons. Et c'est parti. Objection. Objection. Mais qui panique.